Le retour à la normale, pour nous, il est, c'est vrai qu'il est un peu spécial. Bonjour à tous, je m'appelle Baptiste Couillou, j'ai 22 ans et je suis rugbyman professionnel au Lo Rugby. Ça fait surtout plaisir de retrouver les amis, la famille et de pouvoir partager des bons moments avec ceux qu'on apprécie. Je crois que une des premières choses que j'ai faites, c'est d'aller dîner chez ma grand-mère, qui était aussi toute seule pendant le confinement. Forcément, ce qui m'a le plus manqué pendant le confinement, c'était de partager des bons moments avec les coéquipiers du rugby, que ce soit dans les vestiaires, dans la salle de soins ou tout simplement sur le terrain. J'ai pas dû continuer, on n'était pas obligé. Après, forcément, je pense que c'était nécessaire quand même pour maintenir un bon état physique. Et je pense que tous les joueurs ont été plutôt conscients de ça et on s'est tous plus ou moins entraînés. Ouais. Pour ma part, j'ai eu un peu de chance parce que déjà, j'ai mon petit frère qui m'a rejoint pendant le confinement, qui joue lui aussi au rugby à Biarritz. Je dispose d'une petite cave chez moi, donc j'ai pu aménager en salle de sport. J'ai récupéré pas mal de matériel au club avant le confinement et donc j'ai pu m'entretenir correctement et ça s'est plutôt bien passé. Le retour à la normale, pour nous, c'est vrai qu'il est un peu spécial parce qu'on est quand même divisé en petits groupes et c'est difficile de profiter de ces moments de partage qu'on avait l'habitude de connaître avant le confinement. C'est un peu spécial pour nous, mais d'un point de vue général, c'est vrai qu'on est déjà content de pouvoir déjeuner ensemble. Il y a des mesures collectives qui ont été prises par les médecins des clubs et donc il y a un protocole qui a été établi qui est divisé en plusieurs phases et donc qui permet une reprise progressive en commençant par des tests physiques et médicaux. Désormais nous on est passé à la phase réentraînement musculaire, tout ça est toujours contrôlé pour pas atteindre des niveaux trop excessifs et qui risqueraient de nous mettre en danger. Pour l'instant, on est séparés en petits groupes, donc on fait essentiellement du physique, du cardio. Et j'espère que rapidement, on va avoir l'occasion de partager des séances collectives. Et je crois que c'est dans les tuyaux, puisque la reprise complète va être actée rapidement. Donc ça va faire du bien et on va pouvoir démarrer une saison normale. Je pense que le seul conseil que je peux donner, c'est justement de continuer à se faire plaisir. Je pense qu'on a tous apprécié être un peu plus tranquille pendant cette période et d'avoir de moins de pression. Moi, j'en ai profité pour faire ce que j'avais envie de faire d'un point de vue sportif et ça m'a fait du bien. Donc continuer à se faire plaisir.